Jean-Marie s'est proposé lui-même quand il a su que je faisais une liste. Il s'est rapproché de moi. Il m'a dit, Marcel, je marche avec toi. J'habite dans le 6e. Je suis pas content que Paris, c'est dégueulasse. Et il faut qu'on se mette ensemble. Voilà. Vous êtes amis, en fait. Oui, on se connaît depuis longtemps. Oui. Mon programme, il est simple. Déjà, la sécurité, de la mobilité, et puis surtout la propreté. Il faut absolument que Paris redevienne propre. Il faut que Paris redevienne la plus belle ville du monde et pas la poubelle du monde. Et puis, le programme, c'est tout de suite rouvrir les berges. Rouvrir les berges. Parce que c'est à l'heure, l'histoire de la pollution. Il y a plus de pollution avec les voitures bloquées en haut que ce qu'il y avait avant. Bon, et qu'on les laisse fermer le samedi et le dimanche pour que les Parisiens qui veulent se promener au bord de la rivière. Mais il faut gérer ça en bon père de famille et pas avec du dogmatisme. Moi, je ne suis pas contre les vélos, mais il faut un bon partage. Vous avez des grandes allées dans Paris où on partage la voiture avec le vélo, c'est-à-dire les routes sont coupées en deux, puis vous avez deux vélos et 10 000 voitures. Non, il y a un problème, ce n'est pas équitable. Il faut faire ça correctement, bon père de famille. Regardez la sécurité dans certains endroits, dans certains quartiers, personne ne s'en occupe. La propreté. Allez voir au Trocadéro, j'ai des photos ce matin, il y avait des centaines de rats au Trocadéro. Vous vous rendez compte? Le 16e arrondissement avec des centaines de rats. Non, il faut arrêter. C'est mal géré. C'est une ville qui est très mal gérée. Il faut essayer de mettre de l'ordre là-dedans.